Dans nos villes où circulent beaucoup de voitures, il n'est pas rare de voir un automobiliste conduire en répondant, au même moment, à des appels téléphoniques. En effet, téléphoner au volant revêt un caractère dangereux, comme l'affirment Fidel Bakissi et Dieudonné Mayengue, tous deux instructeurs d'auto-école. Lorsque un conducteur utilise le téléphone pendant qu'il est en train de rouler, son attention est détournée. Il ne peut plus se concentrer sur ce qui se passe sur la voie. Il est concentré sur la conversation qu'il a avec celui qui est avec lui au téléphone. Et le moindre incident peut être fatal. Les dangers sont énormes. On peut citer la perturbation quand on est au volant. Le téléphone perturbe le chauffeur. C'est-à-dire, il est concentré au volant. Lorsqu'on l'appelle, son intention n'est plus sur le volant, mais c'est maintenant au téléphone. Et encore la causerie qui va se passer, il va encore s'intéresser plus à la causerie au lieu de se concentrer sur le volant. Ainsi, conduire et téléphoner sont incompatibles. C'est une faute professionnelle, considérée comme un délit sous d'autres cieux. Mais c'est une faute. Vous savez qu'en 95 ou 16, si je ne me trompe pas, il y a eu un nouveau délit dans le code français. L'utilisation du téléphone au volant, c'est un délit en France. La mise en danger de la vie d'autrui. C'est une très grande faute professionnelle. Parce que lorsqu'on est au volant, on doit se concentrer au volant. On doit se concentrer à tout ce qui est autour de vous quand vous conduisez. Vous regardez devant vous, vous vous concentrez à la conduite. On ne doit pas se concentrer. Même les causeries dans la voiture, c'est pas bon. Téléphoner sollicite absolument l'attention du chauffeur qui est au volant. Or, conduire sollicite davantage son attention, d'où les risques d'accident.